content de rejoindre nous encore sur canal Pola TV lakayhaiti.com. En deuxième vidéo ça et son vidéo eh bien qui fait un pile monde content, mais c'est comme ça tout gain des monde qui peut-être et donc est triste dans moment actuel n'a parlé là hein, parce que gagné trois et gros politiciens et donc c'est dans PHTK. Je sorti et bien que autorité canadienne yo prend gros sanction contre trois nèg ça yo que nous allons inviter ou découvrir en dans vidéo ça. Et bien c'est trois nèg yo jeune qui pas droite, c'est trois nèg yo jeune qui impliqué dans dossier louche, c'est trois nèg yo jeune qui au même impliqué donc dans financer gang volo kidnapper et insécurité à dans pays d'Haïti. Et dans moment on a parlé là, et bien nèg ça a gain problème parce que yo pas ka poser candidat dans aucune élection dans pays d'Haïti parce que nèg ça yo fichu sacré le et donc pouvoir c'est fini pour nèg ça. Yo ka toujours gain pouvoir dans faire l'autre affaire mais question et sénateur ou bien député président quelconque pas gain bagaille comme ça parce que eh bien, décision ça que autorité canadienne yo prend, li pa douce, même pour nèg yo, parce que yo jwenn nèg yo pa droit, yo impliqué dans mauvais dossier, dans question drogue, trafic, zam, pour, eh bien, armer ti jeune dans quartier populaire, pour armer ti moun dans ghetto yo, qui jodi a la, a fait l'école là, pas gen bagay comme ça. Mais ce qui ça qui baye absence et l'école dans le pays, c'est insécurité. Nous, en novembre, l'école pour qu'on fonctionne normal dans le pays d'Haïti, alors que petit nèg sa yo, apprend bon gens et bien éducation à l'étranger, que ce soit Canada ou bien États-Unis ou bien en République Dominicaine ou bien la France. Mais quand il s'agit de Haïti, nèg sa yo pa gen famille au Haïti, mais eux même yo pose dans pays à là, y a fait et de fait, y a coupé raché, y a pas coupé planté, donc c'est ça yo réglé et puis voyez tout comme là-bas. Et bien autorité canadienne nous connaît depuis États-Unis prend une décision ou mettre qu'on est Canada tout suite d'elle et ou mettre la France tout pour qu'elle baille ses sanctions par là. C'est trois pays. Et ben c'est eux qui dirigent Haïti, c'est eux qui font et défait, et c'est eux qui mettent ministre, c'est eux qui mettent président. Bagay la grave. En tout cas, nous allons inviter ou gain détail en dans vidéo ça. Et pas oublier ou sous TV lakayhaiti.com. C'est grand moment pour abonner ou même une façon pour qu'à toujours recevoir notification nous. Chaque lundi, nous poster une nouvelle vidéo et ou abonner encouragement. Chercher par-ci par-là information pour nous porter pour. Bon écoute, Naptoun. Mais cette fois-ci, mesdames, messieurs, guézin de la République, guézin, mesdames, messieurs, et bien parmi les formations de pour nous développer pour nous, bulletin des formations, là, gros courrier de la République, et justement, après que justement le gouvernement canadien, et bien, vient sanctionner, à peine sanctionner là, trois nouvelles personnalités politiques, n'a pas aidé, et Hervé Foucan, Boni Célestin et pourquoi pas Garibodo, l'ancien président de la Chambre des députés. Et bien maintenant, mesdames, messieurs, nous allons parler là. Après, Yuri l'a rentré avec Joseph Lambert, monsieur Sayo, Yona Kouri, et non, nous allons parler là. Et sans oublier, nous avons un plus gros dossier encore, nous allons bien pour nous développer. Et bien nous allons parler là. Pierre Espérance, non Kouri encore de la République. Pierre Espérance, de ces pays sautant, nous pas de chambre qu'on est. Eh bien, information n'a pas de véhicule dans la presse. De CPJ, privé, auditionné Pierre Espérance, et par rapport avec 13 plaintes qui viennent déposer contre l'INA de CPJ, et non, on n'a pas eu là, département d'État a déjà demandé rapport d'audience, à travers Bini, département d'État a demandé de CPJ, pour justement, ben, rapport d'audience, audience qui se sont fait de Pierre Espérance, c'est-à-dire Pierre Espérance, non, on n'a pas eu là, non seulement, de CPJ Tandel, mais tu as déjà une interdiction pour pas faire one pot. Pierre Espérance t'a tenté d'entrer dans le pays Mexique, et bien de CPJ mettait interdiction de départ, et bien ce même qui se passe là, pendant ce temps nous voulons la patte véhiculée. Mais mesdames, messieurs, ensemble, il faudra se faire, mais surtout de ce Pierre Espérance, nous voyons Pierre Espérance qui voit l'état de jouer en bas de table. Dans quatre personnes qui sont contre Cyprien et Jovenel Moïse, et bien, nous n'avons pas eu là, mesdames, messieurs, nous avons dit presque majorité pour nous dire tout. Persécuteurs qui ont même ta persécuteur en ce président Jovenel Moïse, toutes mes sœurs ont déjà normalement, ont déjà non cela par rapport avec sanctions qui commencent à tomber sur eux. Et de l'autre côté, Pierre Espérance nous songe, qui t'a comme toujours posé des faux rapports, mesdames, messieurs, qui t'a comme persécuteur le président Jovenel Moïse, eh bien, lui, n'en courir, n'en mourir, n'en pas là, eh bien, nous avons dit beaucoup de la République après information de la fin de l'objet.
Oui, mesdames, messieurs, Jean qui n'a pas suivi là, et bien justement, et bien pays Canada qui décidait et imposer des sanctions supplémentaires, hein, des sanctions supplémentaires à élite. Là, c'est élite qui a frappé là. Nous parlons des élites, nous parlons des ces politiciens. Et techniquement, nous connaissons cité dans toute vieille bagaille. Mais si pour nous arrêter tout d'abord avec Ronnie Célestin et Lionel, en nous tout d'abord attaquer Ronnie Célestin et nous connaissons qui gagne car ici Canada et qui vaut à peu près 4,5 millions. Amis, en nous attaquer Ronnie Célestin puis par la suite nous prenons reste monsieur. Eh bien, nous avons dit Ronnie Célestin, l'homme fort du département et du centre, qui est le même sénateur du département du centre également. Eh bien, nous connaissons Ronnie Célestin, mesdames, messieurs, non nécessité dans le monde qui débat l'argent pour assassiner le président Jovenel Moïse. Nous connaissons Ronnie Célestin, gagné un collègue dans le département centre, qui même était accusé comme monde qui débat l'argent, comme monde qui impliqué dans l'assassinat journaliste. Néhémie Joseph, eh bien, n'a pas aidé Ronnie Célestin, qui lui-même trouvé le parmi trois personnalités politiques. Et Ronnie Célestin, ce n'est pas seulement une personnalité politique, mais aussi c'est une personnalité qui trouvait dans le secteur des affaires là, qui impliqué dans le dossier drogue d'après les dit, qui impliqué dans le dossier trafic d'armes d'après les dit. Eh bien, Ronnie Célestin, nous connaissons qui possède un caille, qui évalue avec plus de 4,5 000. Millions de dollars et dans le pays Canada, nous connaissons Ronnie Célestin, si mon nez s'en sentit pas, mon nez qui est lié, et bien Ronnie Célestin, qui lui-même dans le collimateur du pays Canada, et bien à travers un communiqué ministre Affaires étrangères et canadiennes, n'a pas Ronnie Mélanie, qui lui-même est déclaré, et bien pays Canada prend sanction et contre trois personnalités, ça y est, sanction, mesdames et messieurs, ça qui dit sanction, pour aller jusqu'à, il n'y a pas capable de geler tout fond. Mais si on gagne tout bien on gagne dans le pays Canada, eh bien, le gouvernement canadien va geler ça et va saisir. Donc, la question qu'on se pose, est-ce qu'il y a prêt à mettre l'argent ça? Est-ce qu'il y a prêt à mettre l'argent bien ça? Bye, les peuples haïtiens, nous ne connaissons pas. Mais l'essentiel, Ronnie Célestin, dans mon appareil là, qui lui-même joue une sanction pâle après Joseph Lambert, après Yuri La Tortue, Edimi, tant que le peuple est capable de tirer de ça, non seulement. Et M. Zarte, on a dilapidé quelques états, mais aussi, Dimi, on a déblément, comment ça fait tout dans le secteur politique là, il y a un déblément. M. Zarte, on a occupé le secteur politique là, et bien, il commence à déblayer là, pour faire place à l'oxygène, et même parce que je n'ai pas obligé de content, je n'ai pas de voir la poule content, dans le cadre, justement, sanctions qui ont tombé là, d'ici et d'ailleurs, contre des personnalités politiques qui ont même habitué à collaborer avec gang. Faut que nous disions, Il y a une raison qui fait pays Canada, et bien arriver sanctionner les États-Unis par rapport à des gens qui sont impliqués dans la gang et collaborer avec la gang, et bien nous sommes capables de dire encore une fois, mesdames et messieurs, jeudi samedi 19 novembre 2022, là, la République content concernant justement l'information récente qui a peine tombé là, jeudi et samedi 19 novembre 2022. Jimmy. Oui, effectivement, mesdames et messieurs, bon là, je connais que là, son commencement. C'est un commencement, on nous commence juillet ça, et puis éventuellement pour nous demander pour l'autre. Et nous connaissons une équipe oligarque, techniquement, ils sont supposés arriver sur eux. Mais en attendant, on nous savoure le peu. Depuis quelque temps, son équipe bagaille négatif n'a pas où. Et là, on parlait justement de Ronnie Célestin, là, on parlait de Hervé Foucan, Gary Bordeaux. Eh bien, monsieur Sayo, qui Sayo reproche entre autres, c'est parce que yo qu'on a habitué à supporter gang. Yo kon habitué supporter et faire des activités avec monsieur Gagnon et puis yo reproché des questions de blanchiment d'argent mesdames et messieurs et yo reproché des sacs de rapport à corruption. Donc c'est pour un bagage qui petit, c'est pas petit et nous même sincèrement moi même content. On pas prendre rentrer dans logique c'est une tête grain non, pas gain bagage comme ça. Monsieur Sao, ça fait des années et des années que yo-même, y a crasé paysan. Ça fait des années que y a encouragé gang, y a baise armes, y a baise munitions, faut yo joindre sanction. Évidemment, éventuellement, ça a pas capable rester simplement sur yo-même. Pas oublier nous dit justement, ce sont des sanctions supplémentaires. Éventuellement, faut yo commencer à attaquer oligayo. Oligayo pas gain négociation possible mesdames et messieurs. Pas de négociation possible, mais tranquillement, il y a monté escalier. Hein. Tranquillement, pays Canada, pour pas dire les États-Unis, a privé sous yo. Pas oublier, il y a saisie qu'a fait là.
Ronnie Célestin, entre autres, qui possède un cas de 4,5 millions, je nous dis, l'argent, ça, c'est pour le remettre à l'État haïtien. Je ne parle pas le gouvernement et voler ça, non, c'est pas de ça, n'a pas parlé, non, au gouvernement et éventuel qui vient pour monter sérieux. Mais techniquement, eh bien, sanction, ça, au cap, prendre, moi-même, moi, félicite elle et nous dis, il faut qu'il aille plus loin. Ça fait longtemps, mesdames, messieurs, ça fait longtemps, tu es supposé prendre sanction contre Mounzao. Et ça fait longtemps, n'a pas demandé. Ça, c'est simplement un commencement, puis éventuellement, pour nous continuer, river sur l'Oligayo. Monsieur, pas de nek qui est capable et dormir tranquille là. Là, nous, on nous avance, frère Pam. Et, diminuer pour tout pour nous rappeler à auditeurs, eh bien, les deux sénateurs, je dis l'ancien sénateur Yuri Latortue du département de la Tibonite et l'actuel sénateur du département du Sud-Est, Joseph Lambert. Qui lui-même, monsieur, a déjà une sanction, mais d'après l'information qui a circulé, Ariel Henry a déjà reçu l'ordre pour arrêter monsieur Sayo, eh bien, ça encore, qui fait l'ordre plus gros encore, et si toutefois que monsieur Sayo, après sanction que l'État joint, bon côté pays Canada avec les États-Unis, surtout les États-Unis qui ont sanctionné Joseph Lambert avec lui la tortue, donc il faut avoir fait quoi, Dimi, gagner, et l'ordre qui a gagné pression à faire sous Ariel pour forcer la justice haïtienne à arrêter M. Sayo. Donc, est-ce que dans les heures qui viennent, ou comme on va de CPJ, c'est que Joseph Lambert lui-même, c'est un sénateur qui est en fonction, et il peut-être bénéficier de ce qu'on appelle. Donc, quand même, mais pour Yuri La Tortue, mesdames, messieurs, Napton, est-ce que vous pouvez procéder à l'arrestation de Yuri La Tortue? Nous, pas qu'on est, mais encore nous, terrain là qui chauffe par rapport avec l'actualité au niveau pays d'Haïti. Surtout, eh bien, des sanctions supplémentaires qui baillent à trois personnalités politiques, ça y est. Et nous parler de Garibaud également. Et nous parler d'Hervé Foucan, l'homme fort du département du Sud. Nous connaissons Hervé Foucan, c'est un monde qui non seulement est dans le secteur politique là, mais aussi qui est dans le secteur des affaires là. Et Hervé Foucan qui lui-même cap, et il t'a reproché comme monde qui est dans le blanchissement. Et nous pensons que, monsieur Sayo, quand même, qui pourrait faire l'affaire de la population haïtienne, surtout après sanction qui prend contre eux, mais aussi, monsieur Zabgué, pour perdre tout ça au gain, dans le pays Canada. Donc, ce que nous dit là, est-ce que finalement, eh bien, après, il y a fini, j'ai les fonds, monsieur Zayo, c'est tout bien, il est supposé, j'ai dit là, remettre, eh bien, justement, fortune à l'État haïtien. Mais c'est pas un gouvernement qui l'a, un gouvernement qui est illégitime, mais de préférence, il y a un éventuel gouvernement qui est capable de bénéficier de légitimité beaucoup de population, mais on attend. Mais nous, ouais, il y a l'autre côté Jimmy, on a passé à l'information là concernant Pierre Espérance. Pierre Espérance qui a été auditionné la semaine dernière par la DCPJ. Pierre Espérance a été entendu par la DCPJ. Eh bien, l'information n'a jamais véhiculé dans la presse. Pierre Espérance lui-même, après, et DCPJ finissant d'elle, après, il y a environ 13 plaintes qui déposent contre Pierre Espérance, eh bien, le département d'État déjà adressé à la DCPJ via Bini pour demander rapport d'audition d'enquête qui est menée sous Pierre Espérance. Eh bien, dans le moment où on a payé là, Pierre Espérance, dans le collimateur du département d'État, le département d'État déjà exigé à la DCPJ pour faire rejoindre justement rapport d'audition là. Donc, qui s'est passé? Est-ce que finalement Pierre Espérance est-ce qu'il y a une parler de DIA ou bien FBI? Est-ce que FBI va venir prendre Pierre Espérance là? Nous pas connaît, mais l'essentiel, Pierre Espérance, déjà, dans le moment où on a parlé là, qui déjà a une interdiction pour ne pas quitter le pays après qu'elle a tenté d'entrer dans le pays Mexique de façon en coulisses, mais Pierre Espérance qui lui-même a été contraint pour que l'été justement reste dans le pays. Donc, Jimmy, encore une information de taille, une information de poids. Donc, un pile monde commence là, justement, et il y a un pile joie, surtout Pierre Espérance, une monde qui n'a tête de droits humains, une monde qui dit c'est monde qui a défendu droit monde, mais qui a joué rôle, mesdames, tantôt qui dans le secteur politique, tantôt justement qui a regardé le dossier pas en cachette, Jimmy. Et puis en même temps, et puis mesdames, messieurs, bon, et faut nous dire, et puis faut nous aller avec toute sincérité, nous toujours dire, hein, Jojo Coquin en gorge,
Jojo a vu une justice li, mesdames, messieurs. Jojo a vu une justice li. Et puis, ça qui a passé là, ça a beaucoup rien. Et c'est une raison qui fait que moi-même, personnellement, m'a demandé nous continuer bataille là. Continuer bataille là, m'a pas besoin comme si, dans quel parti politique qu'on sorti, l'essentiel, qu'on une justice qui fait à l'égard du pays d'Haïti. Ça fait longtemps, il y a crasé pays. Ça fait longtemps, il y a baisé zama munition, je dis là, un président qui a assassiné, quand t'as supporté, le combat t'as supporté, il faut qu'on capable de courage pour dire ça, pas gain place, mesdames, messieurs. Pierre Espérance, nous toutes connaissons qui implication, monsieur t'a gagné dans destruction massive du pays. Eh bien, je dis là, le Kama, moi-même, pas gain pour me gagner pitié pour monsieur Sayo. C'est pour justement, c'est pour yo joindre sanction, c'est pour population. Après, justement, sanction Sayo qui fait là, c'est pour population arriver sous yo. Parce que vraie sanction, c'est sanction peuple là. Peuple là, beaucoup senti nous. C'est pour peuple là, baille monsieur Sayo canet rouge. Parce que je dis là, si Haïti n'en salie là, c'est yo cause. Si Haïti a tout problème Sayo, c'est yo cause. Si je dis là, nous même qui n'en diaspora, nous n'en Freddy, nous psychologiquement, nous n'en prison, c'est yo cause. Parce que c'est les décisions, les mauvaises décisions qui ont été prises par ces hommes là, hein, par ces agents doubles, par ces traites à la nation, les temps, les arrivés pour nous frapper, oh, mesdames, messieurs. Les arrivés pour gagner des sanctions. C'est parti. Sanctions, visa, bah, et visa, c'est beaucoup ça. C'est, oui, évidemment, pire aux sanctions, il y a beaucoup arrivé, mais j'en nous dis, c'est peuple là qui vous baille. Mais, oh, pour nous parler de Gary Bordeaux, ça n'a pas étonné nous, parce que non, monsieur Sayo, c'est tout le temps absité, côté que Gali l'a pas acheté, Zama pas acheté, ministre a pas acheté, pour baille jeune garçon. Et puis, nous, monsieur Sayo, nous arrivons en phase, qu'on y a là, internationalement, au lieu que yo sanctionné directement, si monsieur Gagnon, eh bien, yo commencé à attaquer, et les élites d'Haïti, ces politiciens, ils ont commencé à attaquer eux. Mais, wow, on nous fait arrêter là, Lionel. Faut que nous arrivions sous le secteur oligarchien. Oligarchie, faut que nous arrivions sous eux, frère. On faut parler de ça. Et nous connaissons, l'on parle de secteur oligarchien et oligarchie. Il y a qui justement trouve au niveau du secteur des affaires, il y a qui trouve au niveau du secteur politique. Eh bien nous est là et parmi Muntayo gagné et yon Muntakou et Edouard Bossan qui lui-même dans l'actualité côté que la Unibank t'a déjà en conflit avec et Bossan là et nous est Bossan qui lui-même déjà là eh bien qui capable de yon dans cadre société anonyme ça mais de la Unibank et non seulement Edouard Bossan qui est maintenant qui lui-même en face yon Muntakou et Bidjo mais chaque mois a un groupe gagnant. Et gang nous a groupé dans la capitale là, il y a un groupe, c'est Jean-Louis Abossan qui est derrière, et il y a un groupe tout, c'est Bidjo, monsieur Sayo qui n'est pas entendu, ça qui a collaboré avec Iso, ça qui a collaboré avec groupe gang et Katsema Ozoa. Donc monsieur Sayo tout, pas oublier, mesdames, messieurs, monsieur Sayo tout, dans le jour qui est là, il y a des pour arriver sur yo, on parle de Jean-Louis Abossan, on parle de Bidjo, tout reste, monsieur qui au même, et a supporté gang, qui a fait gang, et a fait munitions, fait entrer munitions dans le pays, et nous, les douaniers, c'est dans le même espèce. Donc, ça veut dire, dans le moment où on n'a pas été là, eh bien, et ça qui commence à là, je pense que c'est juste hostilité qui déclenche, et je pense que Dimi, dans les heures qui viennent, nous, quand on va attendre à l'autre nouvelle sanction, qui va tomber, et sous l'autre monsieur qui est même toujours dans le secteur des affaires là, bien que trois personnalités politiques, ça, nous parler là, on dit trois personnalités, ça y est, non seulement qui gagne plus haut dans le secteur des affaires là, mais il y a aussi qui gagne plus haut dans le secteur politique là, ça qui est ancien sénateur et ça qui est actuel sénateur. Donc, ça veut dire, population déjà là, pour aller bénéficier de ça qu'a fait là, et surtout, dossier assassinat président Jovenel là, et président Jovenel qui lui-même, lorsqu'elle t'a dirigé, c'est une majorité, monsieur, ça y est, en train de et qui t'a persécuté, et monsieur, je dis, n'a pas de justice pour président Jovenel. Mais justice, même si la justice sociale peut qu'on décide, mais cependant, nous, la loi du karma a commencé justement à tomber sur eux, et il y a un pile là qui n'a couru, et vous ne pas dire, on n'a pas été là. Presque majorité, monsieur, dame, qui était contre dans le journal, qui était empêché de travailler, et mais population, parce que nous avons commencé à battre bravo, parce que quel on veut ou non, et bien nous, la nature commence à pâcher contre eux, ça, gain ou après gain, même l'immigration, la République dominicaine commence à vous retourner. Donc ça veut dire, nous, dans cette situation, nous, au moment là, que nous, la nature a agi contre M. Sayo, et que, quelque chose à côté au passé, ça qui est petit, il va le voir, il va le voir, il va le voir dans le pays là, petit, il va justement obliger
vient dans prendre San Caoutchoua, papi dit obligé entrer là pour kidnapper au tout. Parce que même monsieur Sao qui gagne ces pays, c'est même monsieur Sao qui te un discours violent pendant dernière année, même parce que Jimmy quand même population quand même un joueur par surtout après Jean des mesures qui prend par le Canada et les États-Unis. Oui, effectivement, et mesdames, messieurs, donc pour même qui a peine branché là, eh bien, sanction qui a peine tombée, et bon côté et gouvernement canadien, et directement via ministre Affaires étrangères, en parlant de Madame Jolie, Mélanie Jolie, si nous suivons dans tout le temps là, eh bien, oui, c'est jeudi à même, trois nouveaux sanctions, entre autres pour les personnalités, les élites, les politiciens, en parlant de Ronnie Célestin, qui passait de présentation, mesdames, messieurs, en parlant de Hervé Foucan, Gary Bordeaux, l'impunité n'a pas d'option, impunité n'a pas d'option, impunité, hein, impunité n'a pas de place, là. Et sincèrement, nous connaissons moi-même personnellement, et comment que mon petit Jean armé avec le gouvernement canadien, comment que nous-mêmes, personnellement, nous toutes, et nous, à nous souvent, à le devant bureau premier ministre, eh bien, là, nous, à le devant bureau premier ministre, non pas aller comme ça, mesdames, messieurs. Évidemment, nous avons des propositions que nous toujours fait. M'a salué Beta, comité 100% diaspora. M'a salué, Bostar, et Fondation Bostar, Drums, Sarah. M'a salué, et tout l'autre monde qui toujours campé ou même qui sont sorti bien loin Ottawa en bas neige là nous devant bureau premier ministre n'a demandé n'a faire passer revendication nous et bien tout ça c'est résultat nous toujours dire parfois ça prend 10 monde ça prend 20 monde qui sorti dans la rue mais l'essentiel faut gagner une action posée jodi là gouvernement canadien attention gouvernement canadien son gouvernement qui en minorité gouvernement canadien conscient qu'il besoin vote nous gouvernement canadien besoin vote nous et moi-même personnellement moi t'ai dit ça les nous t'al devant bureau premier ministre m'te dit premier ministre attention pas oublier que au gouvernement minoritaire en tout moment capable tomber jodi a là qui est-ce qui voter pour le Canada et parti PF et libéral là c'est moi-même c'est nous-mêmes haïtiens c'est nous-mêmes immigrants donc le cri du peuple haïtien commence à faire entendre mais j'en nous dis on nous pas faire démagogie. Nous parlons pour que c'est Yuri la tortue simplement. Nous parlons pour que c'est F.E. Foucan simplement. Faut que nous attaquer l'autre étage là. Continuez à frapper M. Sayo. Bravo. Mais nous pas prêter là. Parce que nous pas accepter pour les États-Unis protéger Oligayo. Nous pas accepter pour le pays Canada protéger Oligayo. Donc, s'il le faut, manifestation pire pour nous passer revendication nous. C'est important. Là, nous avons avancé, mesdames, messieurs, mais quand même, trois nouveaux sanctions qui tombent là, et c'est pas un jouet quand même, faut nous prendre ça avant de nous parler avec Nelly Stalin. Oui, là, nous. Et, Jimmy, jusqu'à présent, il y a des gens qui ont même tout venant, et dans le gouvernement, qui est sous place, le gouvernement Ariel Ria, Laurent Montakou, André Michel, Rosemila Petit Frère, et en plus, nous espérons qu'il est le Canada, les États-Unis a pris des soumissions à eux. En attendant qu'ils arrivent sous passer. Ariel, même si, quand même, l'île était primature là, dossier quand même était pendu. Même si je ne veux dire là, et Ariel il bénéficie au support et temporaire par la communauté internationale, mais quand même, dossier était pendu. Quel endroit on a privé sous lui? Mais pour moi, on a payé là, la question qu'on se pose, c'est André Michel, Rosemila Petit Frère, Yon Montakou, Ricard Pierre, qui vient pour le révoquer dans les heures qui viennent, c'est un monde. Et nous connaissons les États-Unis ont fait pression pour Ariel révoquer monsieur. Mais nous, André Michel a fait défense. André Michel a annoncé si Ariel révoqué Ricard Pierre, l'a passé en opposition, l'a prêté rien, comme quoi on va le trouver dans la manifestation encore. Mais pour moi, on n'a pas là, il y en a deux mondes qui puissent influencer qui étaient là, qui t'a persécuté le président de la démocratie sur eux, et en plus, on attend. C'est Rosemila Petit Frère avec André Michel. Pour André Michel, pas qu'à piler. André Michel, justement, il y a des sangs de ses pales. Mais finalement, on attend qu'il ait sanction par M. Sao. Parce qu'André Michel, quand même, c'est membre fondateur et 609 fantômes. André Michel, c'est collègue, vite l'homme lié. Mais on attend du mieux. Et nous profiter de saluer Frère par nous. Mesdames, messieurs, nous-mêmes, en nous demandant Nelus pour prendre responsabilité, c'est sans filtre, nous allons ici. Hein. Et je veux dire, là, gros message qui lancé. Et nous-mêmes qui sommes jeunes, nous-mêmes les jeunes leaders, nous-mêmes qui sommes avenir paysan, vrai avenir paysan,
nous-mêmes qui pas jeunes pour ces jeunes garçons et prendre âme, nous-mêmes qui camper qu'a demandé justice pour peuple haïtien, eh bien c'est pour nouvelle génération ça et jour nouvelle politique propre, eh bien c'est ça que nous besoin là. Moun comme si qui pas bataille pour visa, moun qui pas gain vieux dossier, eh bien nous-mêmes comme jeunes garçons prendre destin nous en main. Et c'est une raison qui fait que nous disons Nelus, prends des stons, frère Pam. N'ap salue Nelus, comment est-ce que bonsoir Jimmy, bonsoir tout le monde. Nous saluons tous les super branchés qui sont toujours avec nous. Monsieur, bon, nous saluons spécialement Haïtiens qui viennent au Canada. Surtout, ça qui consulte dans notre pays, il y a des mouvements. J'aime toujours dire là. Mouvement yo a bay résultat. La bay résultat parce que nous avons toutes les décisions qui ont passé directement par Canada. Certainement, il y a des gens qui ont plaidé pour qui ça, c'est un noir, c'est un monde qui semble avec nous. Les gens qui semblent avoir là, c'est un monde qui veut bagarrer la même là. C'est un monde qui veut bien être population. C'est un monde qui veut bien être pays. Il y a des gens qui sont blancs. Il y a des gens qui sont mille. Et qui semblent avoir, s'ils veulent bagarrer la même là. Là, c'est un monde qui est grain. Ou qui est grain, on dit nous semblons. Non, semblons n'est pas physiquement. C'est dans l'idéologie, c'est dans la pensée. Donc, nous, quoi, je dis à Jimmy, c'est un commencement. Et je dis à déjà des 7 monde que Blanc mettait de côté. Mais maintenant, les Haïtiens, ils doivent mettre debout pour demander non seulement couper visa, sanctions, mais il faut que nous allions en prison. Et nous-mêmes, nous allons demander il faut qu'on construction en prison spéciale qui fait pour ces criminels assassins. Et nous féliciter le gouvernement canadien. Qui je dis à mettez sous deux pieds ferme. Canada va bien ferme comme ça. Non c'est des bagages. Je dis à nous comprendre ça qu'a fait Dieu. Les blancs commencent à agir. Nous-mêmes nous croyons son débrayage terrain. Tout le monde qui empêche population fonctionner, empêche population. Pas oublier, moi j'ai mon cap de l'Assemblée. Et sans oublier récemment là, Willow Joseph, ancien sénateur, département centre, les amis ou les Célestins qui sont sanctionnés là par et Canada. T'es dit comme ça, Rony Célestin était financé l'assassinat du président Jovenel Moïse. Maintenant, par contre, qui sont des gens qui semblent avec nous. Ça veut dire, Blanc lui-même, il n'est pas pressé même à tout le monde. Il a fait et il va aller exactement côté pour l'aller. Et il a un côté pour commencer, pour un point de départ. Et nous croyons nous-mêmes ça, c'est point de départ. Il a bail résultat pour le bail. Songez, nous avons toujours dit, quelle soit façon liée, il a bien pour nous. Délivré. Il va besoin de prendre des mouilles à mouilles. C'est la prison où il va aller.